Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas fait de vlog. Désolée, on ne voit pas très bien, j'ai pas allumé mon éclairage. Aujourd'hui, je vais aller à Lille, à Euralille. Je sais pas si vous connaissez. Et le soir, je vais aller avec ma soeur voir Empokora. Je vais juste me maquiller, il est 10h30. Et avant de finir mon maquillage, j'ai déjà fait mon teint. On ne voit pas très très bien, on verrait plus tout à l'heure. J'ai utilisé ce fond de teint là de la marque Maybelline. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc c'est le Fit Me Maybelline Matte Plus Poreless. C'est la teinte 115. Je trouve que la teinte se varie bien avec mon teint. Vous me direz quoi tout à l'heure dans la suite du vlog. Donc j'ai utilisé ça pour l'instant. Et après, je vais utiliser cette poudre compacte. C'est pareil, c'est la Fit Me Maybelline Matte Plus Poreless. J'espère que je le dis bien parce que vous savez à chaque fois l'anglais et moi ça fait deux. Donc j'ai plus l'habitude de mettre des poudres libres, comment dire, non compactes. On va essayer. Déjà je trouve que le fond de teint ça va. C'est dommage que vous voyez pas. C'est sympa, il y a une petite éponge. Et en plus, si vous n'avez pas de miroir, il y a un petit miroir ici. Coucou. Bon, moi je ne vais pas utiliser ça. Je préfère utiliser plus un pinceau. Parce que dès que j'ai terminé d'appliquer cette petite poudre compacte, j'ai une petite surprise pour vous. Et je pense que pendant ce vlog, il y a pas mal de surprises. Je prends de la poudre et je souffle toujours avant. Et c'est parti. J'en mets un petit peu partout. Comme je vous ai dit, j'ai une petite surprise pour vous. La marque Maybelline m'a envoyé ce fond de teint là de la même teinte. Donc la teinte, comme je vous ai dit tout à l'heure, 115. Et cette poudre là de la teinte 115. C'est vraiment des couleurs assez claires. Mais sinon voilà, ces deux petites choses sont à gagner. Donc tout simplement, pour les gagner, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un like à la vidéo, me dire en commentaire pourquoi vous avez envie de gagner ces deux petits lots, qui sont plutôt sympas. Et de cliquer sur le lien qui se trouve en bas si vous avez envie de participer à l'un des trois concours. Voilà, on se retrouve juste après. Je vais finir de me maquiller, sinon je vais être vraiment, vraiment à la bourre. J'ai terminé de me maquiller. C'est chiant qu'on voit pas trop. Je vais même pas faire de gros plans parce que ça fait trop bizarre avec la luminosité. La lumière est assez chelou. On voit pas bien avec la lumière, donc ça fait trop trop bizarre. Vous verrez mieux tout à l'heure. Donc là je vais m'habiller et on se retrouve juste après. Juste avant, j'ai mis un spray de protection pour ne pas abîmer les cheveux. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est de la marque Franck Provost. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, je tremble, ça craint. Donc là, je vais lisser les cheveux, même s'ils sont un petit peu lisses. On va les lisser quand même au niveau d'ici. Donc moi, je fais vraiment à ma manière parce que je ne veux pas vraiment utiliser ma main droite. Comme vous savez, ceux qui me suivent, j'ai pas beaucoup de force à ma main droite. Donc je fais mon possible. Au départ, je voulais me boucler les cheveux, mais j'aurais pas eu le temps. Donc ça sera le lissage vite fait. J'ai la chance d'avoir les cheveux déjà lisses. C'est juste, comment dire, des petites bouclettes quand bah, vous dormez, ou les pinces, la marque des pinces, j'en ai juste ça. Même si je vais remettre ma pince là juste après, c'est pas grave. Bon, il m'arrive, il y a des endroits où c'est pas forcément lisse, mais ça se voit pas beaucoup. Attendant que ça refroidit, oh, c'est horrible la lumière là. J'ai reçu quelque chose là à l'instant, c'est une coque de téléphone, elle est trop 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 belle. Attendez que je me mette comme ça et je vous la montre. Comment je vais vous... Ah, ça tombe. Ouh, ça m'énerve là. Hop. Hop. Je vais essayer de faire comme ça. Bon, je la mettrai plus tard. J'ai vraiment pas le temps
de la mettre là tout de suite. Je sais pas si vous voyez. Elle est trop trop belle. Donc moi c'est tout simplement une coque pour l'iPhone 7 Plus. Et c'est de la marque Dazorm. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ma tenue là juste après. Je range un petit peu. Donc je vais mettre un petit peu de like ici. Même si je vais remettre ma pince juste après. Parce que j'ai horreur d'avoir mes cheveux dans mes cheveux. J'ai juste trop trop hâte d'être au concert de Mpokoro. Bon, j'espère que j'aurai la chance de le voir avant. Je vais vous prendre avec moi, je vais vous montrer ma tenue là tout de suite. Ça fait bizarre ce gros plan là. Regardez, il y a Mpokoro là dans le fond. Eh, c'est des posters qui datent d'il y a plus de 15 ans quand même. Ça me rajeunit pas tout ça. Voilà, ça va pas être évident de vous montrer aussi. J'ai mis une robe pull qui vient de chez Boohoo. Et un jean qui vient de Pinky, me semble. Où il y a des petits trous ici. J'aime beaucoup. Il me reste plus qu'à mettre un petit collier. Amis, je voulais vous montrer, vous savez, ces petites photos-là. Ça fait un petit moment que je les ai et j'oublie à chaque fois de vous en parler. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est vraiment très 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 sympa. Ce genre de petites photos. Je ne sais plus du tout le nom du site. Je vous mettrai ici en vidéo. En plus, vous pouvez les personnaliser. Ah, vous me voyez mieux. Mais avec une lumière un petit peu pas très très avantageuse. Je vais essayer de tourner ça. Ça fait assez bizarre de vous voir vers le bas. J'aime pas. Comment vous dire? Je suis un petit peu stressée de vous parler de ça. Bon, là, je suis prête. J'ai juste quelques affaires à préparer, à mettre dans mon sac. Et ça y est, je vais manger après. Et puis avec ma soeur, on go sur l'île. Vous savez, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis un moment, surtout cette année, je vous ai dit que j'avais des problèmes de santé dus à un vaccin qui s'appelle le Gardasil. Ces problèmes de santé me causent pas mal de soucis de santé, notamment puis à la marche. Je marche avec une béquille, mais de plus en plus avec des chutes que j'ai fait cette année et l'année dernière aussi. J'ai perdu un petit peu de force. Et je suis beaucoup beaucoup fatiguée si je fais une longue distance. Donc c'est pour ça que tout simplement j'ai pris un fauteuil électrique. Donc je sais encore marcher, mais donc voilà, c'est pour ça que pendant le vlog vous allez certainement me voir très petite par rapport à ma soeur, quelque chose comme ça. Ou par rapport aux gens. Ça va se couper un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais vous prévenir. Ça ressort, mais c'est pour ça que je voulais vous prévenir de ne pas vous inquiéter. Déjà, ça va pas être facile pour moi. C'est la première fois que je l'utilise. Je suis un petit peu stressée. Tout simplement des regards des gens. Même si j'ai l'habitude. Mais bon, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Ce fauteuil. C'est le Smart Chair, je sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai en barre d'infos ceux qui sont vraiment dans le même cas, voire pire malheureusement, qui sont intéressés par un fauteuil électrique pour être autonome et transportable dans la voiture surtout, parce que c'est pas très très évident d'en chercher. Hein. C'est pas très très évident. Pour vous dire, le commercial où je l'ai acheté, il ne le connaissait pas du tout. Je lui ai fait découvrir. Et il est vraiment sympa ce fauteuil, même si j'aurais préféré de ne pas en avoir du tout. J'espère que ça sera juste pour un petit moment. Croisez les doigts. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, je ne sais pas encore vers quelle heure, parce que là il doit être à peu près 11h30. Et sinon je vais être à la bourre. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé à Lille, donc là on va aller à Lille. Je vous ai fait quelques petits paysages de la route, c'était pas très très beau, il y a certains, mais bon. J'espère que ce vlog va vous plaire. Je sais pas s'il y aura beaucoup beaucoup de blabla, je vais essayer en tous les cas. Sinon, il fait super chaud à Lille, ça fait plaisir. J'espère que je vais voir Mpokoro avant, qu'on va voir Mpokoro avant.
c'est pas gagné. Donc là, on va aller à Primark. Pas mal de magasins, ça fait super longtemps que j'ai pas été à Lille. Sinon, avant de poursuivre le vlog, j'ai encore une petite surprise pour vous. C'est la marque Garnier qui vous fait gagner ce shampoing sec. Il est vraiment superbe. C'est le Garnier Ultra Doux Shampoing Sec Purifiant Doux et Délicatesse d'avoine. Ça absorbe l'excès de sébium et ça redonne tout simplement du volume. Waouh, ah ouais quand même. Bah ils sont pas solides les sachets de Primark. Bon voilà, on est sorti de Ralil et ça c'est plutôt pas mal. On a un peu exposé la carte bleue. Donc là on va aller direction le Zénith. Je sais pas, je pense que je vais pas prendre l'appareil photo. Je fais mes règles mon appareil avec mon téléphone qui sera vu. Petite soeur. Voilà le petit coco que je vous parlais tout à l'heure. Ouh là là, vivement qu'on se pose au Zénith à Lille. C'est pour la voix qui nous a ouverte en France et voilà, c'est pour rendre hommage à monsieur Claude François. Est-ce qu'on a des fans de Clo-Clo aussi ce soir? Ah ouais? Ouais? Visiblement, madame, c'est vous qui cassiez les fauteuils à l'époque, non? On a plein partout, faites-vous plaisir. La famille, est-ce qu'on est ensemble ce soir ou pas? Debout. Est-ce qu'on a des filles dans la salle ce soir? Non, je dois sortir le soir. Et à ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. J'ai des mains de géant. Je suis devenu fort. De l'amour d'un soir. J'ai ton sourire. Ça va la famille? Tout va bien jusque là? Passez un bon moment. Cool. Bon bah on continue. Dieu t'emmène à l'aimer pour tout abandonner. Fais-tu croire qu'elle s'en va et qu'elle veut. Elle veut pour tout. Elle est trompée car si elle le faut. Je ne répondrai pas à mon prix de moi sur la tête. Toi tu le vois. Le soleil devant mon cours de courber les chines, courber les chines. Est-ce qu'on fait semblant de vivre, semblant de s'aimer, semblant de se suivre? Je ne veux plus que le vent, je ne veux plus que le vent. Simplement, si vous avez envie de gagner ce fameux programme, j'allais me le prendre dans la figure. Comme chaque année, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, me mettre un like à la vidéo et rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram que je vous mets en barre d'infos. Si vous avez suivi le début du vlog, vous savez que je vous ai présenté deux concours Garnier. J'espère en tous les cas que ça vous fait plaisir. Pour terminer ce vlog, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Primark et à Hollister aussi. Honnêtement, au départ, je voulais vous faire le haul dans la voiture, mais on a eu très peu de temps, on est arrivé sur l'île vers 15h. Ça a été un petit peu la course. Donc en premier, j'étais chez Primark. Ça faisait la première fois... Mon cheveu. C'était la première fois que je découvrais ce magasin-là, qui est plutôt pas mal. J'ai un petit peu craqué. En premier, j'ai pris ce porte-photo, le pouce. Un petit like, les amis. J'en ai pris un deuxième aussi. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre sur ce porte-photo.
mais ça devrait pas tarder. Le deuxième, je sais pas, il est derrière moi, mais bon, je vous montrerai après. Deuxième j'ai pris, c'est la collection d'une youtubeuse, je sais pas si vous connaissez. Malheureusement, il y avait certains produits qui n'étaient plus dispo en magasin, j'étais trop dégoûtée. J'ai pris ce masque pour les yeux, je trouve qu'il est vraiment très canon. J'ai pris aussi le pyjama. Je vais vous montrer comment il ressemble à l'intérieur. Il est trop beau. Donc ça peut vraiment être un cadeau de Noël, ça approche en plus. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça se représente comme ceci, je trouve qu'il est trop beau. J'ai juste trop hâte de l'essayer. Ensuite j'ai pris un masque de visage. Donc celui-ci c'est le Holler and Glow. Par contre c'est marqué en anglais. Ouais non c'est bon, ça y est du français. Masque tissu lissant et... Est-ce que c'est marqué ça ? Vitamine, jojoba. Bon, j'espère que ma peau ressemblera pas à ça, quand même, juste après. Ah là là, j'ai pas lissé mes cheveux, ça m'énerve. Ils se mettent pas comme il faut. Voilà. Après, vous savez qu'il y a pas mal de collections Disney à Primark. Et j'aime beaucoup Disney, ça a béni mon enfance. Notamment cette petite chose. C'est une petite tasse, c'est un collier. Ensuite, vous savez que je suis tellement gourmande et je ne pouvais pas résister à la noix de coco, surtout au bar protéiné, noix de coco, coco et chocolat. Donc j'en ai pris deux. Après, j'ai pris des éponges en silicone pour mettre votre fond de teint, anti-cerne, quelque chose comme ça. Donc, je trouvais qu'ils étaient vraiment pas chers, 2€ les deux. Voilà, le deuxième porte-photo que j'ai pris, la collection de la youtubeuse Saffron Barker. J'ai encore pris quelque chose de la youtubeuse. Américaine il me semble. Je la connaissais pas du tout aujourd'hui. C'est quand j'ai vu sa collection après moi que je trouvais que c'était vraiment très canon. J'ai pris ça pour le voyage. Si j'arrive à le mettre, voilà. C'est très agréable. Surtout quand je vois rien. En forme de cœur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est comme ça pour la fin de la vidéo, vous croyez ? Et la dernière chose, je sais pas du tout si je vais arriver à vous le montrer, mais... C'est trop doux. Bah moi j'adore, j'aime énormément tout ce qui est couverture plaid, très douce. Et là j'ai trouvé une couverture Disney. Elle se présente comme ceci et à l'intérieur, comment c'est doux. Ouais, je pense que c'est tout. Je vous ai présenté toutes les choses que j'ai pris à Primark et Hollister, je vais vous montrer là. Je vais vous montrer là tout de suite Hollister parce que c'est un petit peu loin, c'est là-bas. Voilà, je vais vous montrer en photo Hollister. J'aime beaucoup. C'est une marque aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il se pull California. Il est vraiment très beau quoi. Je sais pas si vous savez, mais j'adore la Californie. Donc tout ce qui est effigie à la Californie, bah je prends et je craque surtout. J'ai installé mes petites pantoufles pour faire une photo. Et la monsieur Enzo s'est incrusté. Ça m'a l'air plutôt doux. Regardez-moi ça, il est en train de dormir. Il ne sait pas comment aller. L'idée d'avoir une semaine à meilleure de forme, c'est d'avoir un bien-être. Et je pense que là, vous le voyez, même que ce soit un chien ou un humain, je ne l'ai pas encore essayé, mais à mon avis, ça réduit les impacts de choc et ça maintient bien votre pied dans cette semelle. Par contre, dernière petite chose, regardez bien sur le site, il faut prendre une taille au-dessus de votre pointure. Les peintures vont très loin, donc normalement il n'y aurait pas de souci. Il y a plusieurs coloris, moi j'ai pris gris et bleu, c'est gris perlé si je ne me trompe pas. Et j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais pas du tout si je vais arriver à les récupérer un jour. Hein, ma petite crevette, ma zozote. Je vous montre une dernière fois, sinon toutes les informations seront en barre d'infos si vous êtes intéressé. Enzo, bah alors, tu piques mes nouvelles pantoufles? Bah alors. C'est doux à l'intérieur. Bonne nuit. Oh non, c'est chaud. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Ça date peut-être d'il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Bon, j'essaierai de vous en refaire des vlogs si ça vous dit. Quand j'aurai des choses à vous montrer. C'est vrai que ça me manque de vous parler un petit peu comme ça, quoique ça a été très compliqué de vous filmer là pendant le vlog. Parce que j'en ai eu très peu de temps. Et puis surtout,
pas trop l'habitude de vlogger. Et surtout, c'était pas très évident si je prenais ma caméra avec ma perche, avec le fauteuil que je vous ai parlé en début de vidéo, que je me sers pour les longues distances. Je vais essayer d'utiliser le fauteuil avec la main droite pour voir, comme ça j'essaierai de tenir la caméra pour les prochains vlogs, je vais voir. Sinon, je vous fais plein de bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous attends sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Snap. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, jusqu'à ma prochaine vidéo. Bye.